Soyez la bienvenue. Nous sommes réunis ici ce matin pour rendre hommage à nos frères, à nos familles qui, en voulant traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté se battre, se sont heurtés dans l'océan Atlantique. C'est un dernier hommage aujourd'hui que nous les rendons. L'accord qui est entre le Vatican et le gouvernement tunisien ne nous autorise pas à célébrer les messes en dehors des lieux du culte. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est juste une prière en l'honneur de nos frères et sœurs qui nous ont quittés d'une manière tragique. Et celui qui m'a précédé avec la parole a tout expliqué. C'était des personnes comme nous, des gens avec qui nous avions eu à partager le quotidien, et ils ont pris la résolution de traverser la mer pour un avenir meilleur. Mais le destin en a décidé autrement et ils sont partis. Je remercie tout d'abord l'initiateur de cette solennité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si nous prions pour les morts, c'est parce que nous croyons à la résurrection de la vie. C'est parce que nous croyons qu'il y a une autre vie après celle-ci. Si nous ne croyons pas à la résurrection, notre prière n'a pas de sens. C'est parce que nous croyons qu'un jour, nous nous retrouverons avec ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu. Et voilà pourquoi nous prions pour eux. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Suis des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares ta table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Dieu des esprits et de toute chair, qui a foulé au pied de la mort et qui a réduit le diable à néant, et qui a donné ta vie au monde, donne toi-même, Seigneur, aux âmes de tes enfants, Lise et Stella, Maria et Loïsa, Tizi, Cédric, Nana et Edwige, Tama, Léopold, Baïna, Joseph, Thomas, et tous les restes, les repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais. Loin de la souffrance, de la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux leur pardonne tous leurs péchés, commis en parole, par action et en pensée. Parce qu'il n'existe pas d'homme qui vive et qui ne pêche pas. Toi seul et sans péché. Ta justice est justice pour les siècles. Et ta parole est vérité. Ô Christ notre Dieu, puisque tu es la résurrection, la vie vivifiée, accorde à nos frères et sœurs le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-leur de ce qui les sépare encore de toi et donne-leur de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Dieu notre Père, tu as tellement aimé le monde
que tu lui as envoyé ton propre fils. Il a vécu sur cette terre. Il est mort et ressuscité pour que tout homme ait la vie en abondance. En cette heure de peine, nous pensons à nos frères et sœurs qui nous ont quittés. Nous te supplions instamment. Augmente notre amour, avive notre espérance. Donne-nous de croire vraiment que le Christ est la résurrection et la vie. En signe de foi et d'espérance, que nous nous retrouverons un jour auprès de Dieu notre Père, avec ceux dont nous rendons hommage à ce moment, nous allons prédire la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, cette prière que nous appelons de notre Père, avec foi, confiance et espérance que nous nous retrouverons un jour auprès de Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je ferai encore une dernière prière pour recommander à Dieu le repos des âmes de ceux dont nous rendons hommage en ce moment. Prions. Si tu donnes la vie aux hommes, Seigneur, ce n'est pas pour qu'ils meurent à jamais. Si tu leur donnes le désir d'être heureux, c'est qu'ils sont appelés à le devenir. En reconnaissant nos propres faiblesses, nous te prions pour tes enfants dont nous rendons hommage. Et nous te supplions de les délivrer et tous ceux qui peuvent les retenir loin de toi, à qui il est dans ton royaume auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que la bénédiction de Dieu descende sur nous. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Donc nous continuons le moment de rendre hommage à nos frères et sœurs avec le programme établi. Surtout avec un grand plaisir que la communauté camerounaise aujourd'hui se retrouve unie autour de ce deuil de nos frères qui ont disparu le 10 octobre 2020 au large de Sfax. Donc si nous avions souhaité leur rendre un dernier hommage, c'est surtout parce que notre communauté qu'est une communauté pas assez solide, parce que nous venons justement de mettre sur pied notre jeune association qui est la diaspora camerounaise. C'est ce qui devrait nous rassembler. Alors de ce fait, j'ai à titre personnel fait des démarches avec un groupe de Camerounais pour qu'on essaye, qui est là, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui apporte aussi un soutien pour la communauté camerounaise. Donc aujourd'hui, c'est une journée de deuil et d'hommage pour nous tous,
pour ceux-là qui viennent en aventure dans le but de se chercher et que parfois ils prennent l'initiative d'aller tenter le chemin de la mer. Ce n'est pas évident, on peut comprendre, mais il faut toujours mettre à l'esprit tout ce qu'on prend pour sa personne engage aussi la famille, ses proches et ses amis. Donc nous déconseillons. Je voudrais aussi remercier mon frère Eric Tchatcha pour cette aimable invitation à m'associer à votre douleur suite à la disparition tragique de nos frères sur l'eau. Paix à leur âme et qu'ils reposent en paix. Donc, en deux mots, je voudrais vous présenter l'UGTT. Donc, l'UGTT est une organisation syndicale tunisienne qui représente les travailleurs tunisiens. Mais aussi, elle défend tous les travailleurs sans exception. C'est pour ça que dès qu'on s'est aperçu qu'il y a un véritable phénomène de travailleurs migrants qui vivent ici parmi nous, nous avons pris l'initiative de mettre en place ces espaces migrants qui sont dédiés aux travailleurs migrants ici en Tunisie. Et c'est une façon ou un moyen de leur apporter notre soutien, nos conseils pour tout ce qui a rapport avec le monde du travail, s'ils ont des conflits avec leur employeur ou même s'ils ont d'autres problèmes à caractère social, comme des fois il y a eu des problèmes avec les bailleurs, avec les factures d'électricité, pour les factures d'eau, avec les autorités des fois. Donc on essaye d'intervenir un tant soit peu dans la mesure du possible pour essayer d'apporter cette aide-là. Bien sûr, le problème fondamental de tous les migrants qui sont en Tunisie, il ne faut pas aussi oublier que le peuple tunisien est aussi un peuple de migrants, que beaucoup de nos citoyens sont des travailleurs migrants un peu partout dans le monde. Donc nous avons ce que c'est un peu les souffrances et la détresse des fois des travailleurs migrants qui sont ici parmi nous. Sonny Aigle-Lecon, au gardien, dégagement à Berger.
Michel qui a le ballon, passe en profondeur, malheureusement, c'est sorti. C'est sorti pour les vétérans. La défense, renvoyez les balles. Tirez de bas. Michel qui a le ballon. A qui? Oh, ballon est sorti au vétéran. Et Tabou qui a le ballon, qui fait la passe à Berger. Berger, à Raoul. Qui fait la passe à qui? Au président, il n'a pas pu récupérer ce ballon. Le ballon qui est décisivement sorti. Le ballon,
mieux, ça mieux. C'est un événement triste. Mais ils ont eu l'ingénieuse idée de nous rassembler autour d'un événement heureux, qui est un tournoi de football qui rassemble beaucoup de personnes, pour ne pas que nous puissions sombrer dans la tristesse. Donc je salue cette initiative-là organisée par la diaspora camerounaise, en l'occurrence son président qui est très attaché aux valeurs de sa communauté, que je salue. Je rends également hommage à toutes ces personnes disparues. Vous savez, les gens ont tendance à dire que la traversée de la Méditerranée, c'est une option lorsque la Tunisie n'offre pas d'opportunité. Moi, je dis que la traversée de la Méditerranée est un projet. Certaines personnes la nourrissent depuis le pays. Donc, ces personnes-là savent très bien ce qu'elles font en Tunisie. Notre message de sensibilisation, il est clair. La Méditerranée tue, c'est déjà un message uniquement porteur. Tu sais que là où tu vas pour te suicider. Tu vas pour laisser ta famille dans la tristesse, dans la détresse. Mieux vaut utiliser ces 2 millions, ces 3 millions de francs CFA là pour investir dans des activités qui pourront vous rapporter. Aujourd'hui, la Tunisie offre des opportunités de création d'emplois et il faut que les responsables d'associations puissent communiquer là-dessus pour que nos compatriotes puissent savoir que l'Eldorado aussi peut se préparer chez soi. Donc je suis vraiment heureux de cette initiative et je remercie Afroplanet pour l'opportunité que vous nous ouvrez chaque jour de nous exprimer dans les événements heureux comme malheureux. Je vous remercie.
Je m'appelle Laure Belinga, je suis chargée de la communication au niveau de l'association des Camerounais vivant en Tunisie. Aujourd'hui marque la célébration de l'hommage à nos frères décédés à Sfax lors d'une malheureuse traversée. Donc aujourd'hui, je voudrais profiter de l'occasion que nous offre le média Afroplanète pour sensibiliser une fois de plus nos frères par rapport à cette traversée. C'est beaucoup de risques, c'est une tragédie qui aujourd'hui, parce que nos frères ils sont partis, c'est une tragédie qui aujourd'hui va marquer les familles endeuillées à jamais. Donc nous voudrons profiter de l'occasion pour dire à nos frères qui veulent tenter l'aventure de l'Europe d'essayer par des moyens légaux d'accéder à ces pays-là, parce que la mer, elle est très dangereuse, elle est sans pitié. Aujourd'hui, on pleure nos frères qui sont décédés. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont en attente dans des maisons de fortune au niveau de Sfax. Je voudrais, si ce message leur parvient, je voudrais leur dire que ce n'est pas la peine, parce que demain ou après-demain, on sera toujours là pour les pleurer. Ce sont des êtres chers, on voudrait qu'ils restent avec nous. Donc, nous leur conseillons d'essayer de voyager, mais par des moyens légaux. Éternel Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu du Cameroun, Dieu de la Tunisie, Dieu qui écoute nos pleurs, Dieu qui écoute nos supplications. Mon Dieu et mon roi, nous te remettons cette journée que tu connais mieux que nous, pour nos frères que nous avons perdus pendant une tragédie à la traversée de la Méditerranée. Oui, nous avons choisi ce jour merveilleux afin de témoigner une fois de plus un hommage à leur mémoire. Dispose tous ceux-là qui ont accepté cette assistance afin que l'unité de ta gloire soit toujours parfaite. Fais ta volonté, pas parce qu'on a le mérite, agis continuellement sur nous qui péchons jour et nuit auprès de toi. Écoute nos supplications, nous te reposons toutes choses sous ce toit qui nous reçoit. Bénis grandement les mains qui ont préparé les repas que nous allons partager. Fais ta volonté, rien que ta volonté, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous t'avons prié.
Here we go.